Et salut tout le monde, c'est Spooky, bienvenue dans le squat. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale sur Conker's Bad Fur Day, sorti en 2001 sur Nintendo 64. On va commencer ensemble une nouvelle partie et on va pouvoir en parler tranquillement ensemble. Je vais essayer de vous faire une traduction relativement proche de ce qui se dit. Il y a énormément de jeux de mots. Bon, je vais faire de mon mieux. Bon, l'introduction est un peu longue. C'est très scénarisé. Donc voilà. Faire avec. Bon, vous aurez vu la petite référence, le petit clin d'œil Orange Mécanique. Dans l'idéal, je vous aurais fait un petit résumé. Là, je ne peux pas passer la cinématique, mais en même temps, elle est tellement stylée. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Well, there I am. Conker the King. King of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who were those strange fellows that surround my throne? Now you also say. Well, it's a long story. Come closer. Là, I'll tell you. It all started yesterday. Il essaie d'expliquer pourquoi il est ici à ce moment-là, pourquoi c'est le roi de cette terre, et il explique que c'était une journée complètement dingue, et en gros c'est un flashback. Là, il fait appel à ses souvenirs et nous explique comment il en est arrivé ici en fait. Enfin, il explique. Il va nous expliquer. Donc finalement, tout le jeu est un gros flashback. Donc là, c'est la copine de Conker. Salut Barry. Enfin, si t'es là, peu importe. I'm gonna be a bit late. Je vais être un petit peu en retard. They're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway. Ouais, puis il lui raconte des trucs comme quoi il peut pas être là ce soir. Ouais, il dit salut, je t'aime. I think you got it. Et je crois qu'elle a capté le truc, elle a même accro. Who's round is it? Yours. Quelle tournée c'est? À qui c'est le tour? Okay. La mienne encore? Can someone lend me a five? Enfin bref, voilà. Beaucoup de jeux de mots et je vais. So je pense que je vais vous raconter les petites anecdotes. Bon bah voilà, on se voit sûrement la semaine prochaine. Faut que je rentre chez moi. Faut que j'aille par là. Alors, par là. Il n'a pas l'air de faire très bon ce soir. Là, il germe sur lui, voilà. Ça n'a pas l'air de le faire kiffer. Désolé pour ça. Faut que j'y aille.
can't quite make it out. Anyway, it seems pretty familiar to me. Ouais, peu importe, ça a l'air très familier pour moi. Ouais, il dit en gros qu'il suppose que c'est cette voie-là, enfin ce chemin à suivre. L'introduction est très longue, hein, comme je vous disais. More milk, sire? Yes. Donc là, on se réveille complètement cuité. Donc c'est un jeu où on incarne un écureuil qui s'est pris une cuite. Ah, petit problème d'affichage. Donc un écureuil qui s'est pris une cuite et il cherche à rentrer chez lui et retrouver sa meuf. Donc là, on a un petit peu de mal, hein. Donc c'est un jeu qui avait été annoncé en 97 et il est sorti que en 2001, à la fin de la Nintendo 64. Donc ça explique aussi pourquoi il est aussi joli. Il est vraiment sorti quand l'extension pack était déjà d'actualité. Mais le problème d'un point de vue commercial, c'est qu'il est arrivé quand la GameCube était annoncée, quand elle allait bientôt sortir. Donc ça explique aussi qu'il n'a pas été vendu en très grande quantité. Quand il est sorti, il a été beaucoup critiqué. Et quand il est arrivé jusqu'à nous en Europe, parce qu'il est sorti une première fois aux États-Unis, il n'était pas traduit. Nintendo n'a même pas voulu finalement le publier en Europe, hein, en premier lieu. Et c'est quelqu'un d'autre, une autre entreprise qui va le faire, non traduite. Et en très petite quantité. Ce qui fait que si vous avez cette cartouche entre les mains, si vous l'avez dans votre collection, vous pouvez en être fier. Elle est très très rare. Quand même très rare, faut le dire. Vous pouvez la vendre si vous n'êtes pas collectionneur et vous voulez vous en débarrasser pour faire un heureux. Vous pouvez la vendre pour au moins 250 à 300 euros en fonction de ce que vous avez encore et en fonction de son état, bien sûr. Et donc là, il rencontre un épouvantail. Ça va être un peu le personnage qui va nous faire sauvegarder, avec qui on va pouvoir interagir. Et là, en l'occurrence, il nous apprend à jouer. C'est une forme de petit tutoriel incrusté. Là, il y a eu des petits jeux de mots intéressants avec Bird, Beer, entre l'oiseau et l'ours, que je ne pourrais pas traduire directement. Mais concrètement, il nous a dit de se positionner là-dessus. Tu vois ce mouton? En fait, tu trouves ça, c'est ce qu'on appelle le contexte sensitif. En fait, il presse B. Presse B. Voilà. Et la lumière, et qui vient, et ting, le bruit. Et vas-y. Ok, c'est ça. Ok, je presse B. On fait la traduction en faisant un petit peu le rôle. Attention, on fait ça bien. Là. Donc là, il sort une bouteille. Ça vous fait rien si je...
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le contexte sensitif, mon gars. C'est le sensitif du contexte. Essaye là-bas. Ok. Donc là, en gros, les deux sont torchés, hein. Mais en fait, il n'était pas censé être comme ça dès le début, hein. C'était un jeu qui était annoncé pour le... un peu dans la continuité de ce qui avait été fait avant par les mêmes développeurs avec Banjo. Mais bon, écoutez, ils ont voulu faire quelque chose de plus mature et destiné aux adultes, alors voilà, plus mature. On se comprend bien, hein, des blagues plus matures dans le sens où, voilà, c'est énormément de petits clins d'œil relativement déplacés. Mais bon, voilà, c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser. Donc énormément de connotations sexuelles, de vulgarité. Bon bah voilà, on joue un écureuil torché, attends, bon voilà déjà de base. Là, il se prend une petite aspirine, on va dire. Oh, just what I needed. Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. En fait, je vois ce que ça veut dire. À ce moment-là, j'avais besoin de ça, là. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le contexte sensitif. Intelligent. Il me sent beaucoup mieux. Allez, c'est bon, on y va. On va par là. Même si j'ai pas le temps de lire. Je presse L. Ah oui, donc là c'est pour... ça nous apprend un petit peu à nous déplacer, voilà. Hop, je peux faire ça et je peux faire un saut un peu plus haut comme ça. Bref. Je vais par là. On a des petites boules qui apparaissent, c'est tout mignon. Hop. Et là... Donc là, à chaque fois qu'on va apprendre une nouvelle fonctionnalité, il va faire appel au flashback, mais voilà, c'est un petit plan rapproché où il réfléchit. Et c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles combinaisons de touches. Then A again to do that funny helicopter tail thing. Now that makes me harder. I should easily get across that gap. Are you sure you got that? Voilà. Alors, hop. Donc là, ça nous apprend à utiliser l'hélico, hein. Là, ici, les plateformes sont relativement facilement accessibles, hein. C'est accessible. Ça plus simplement. Alors là, elle, hop, on saute un peu plus haut et on ouvre cette porte parce que là on est bloqué par une gargouille. Qui c'est ce mec? Mais tu penses que tu vas aller par là? Tu peux penser encore. Oh mon dieu. Je voudrais juste passer, s'il te plaît. Non. Tu penses pas, non? T'as déjà été un endroit sur un truc gothique architectural pendant 2 siècles. En gros, bref, maintenant qu'il est sur ce pont, il veut plus bouger parce qu'il veut pas retourner sur son espèce de truc gothique. Donc, on va se faire foutre. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Mou non. Bon, on va faire une petite pause dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour un deuxième épisode. Salut tout le monde!